entre le mouvement patriotique du salut, MPS, et le mouvement patriotique pour la République, le MPR Jamhouriya du Niger, c'est un véritable mariage politique. Un mariage politique approuvé par la remise de ces fanions symboles du MPR par Albadé Abouba au secrétaire général 3e adjoint du MPS, maître Jean-Bernard Padaré. Selon le président investi du Jamhouriya, les efforts consentis par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, président fondateur du MPS, méritent respect et considération de tout le peuple du Sahel. N'eût-ce la lucidité et la pertinence du président Idriss Déby Itno et du président Mahamadou Issoufou, la situation aujourd'hui dans l'espace sahélien serait invivable. Parce que ce sont eux les initiateurs du G5 Sahel. Et les Tchadiens sont venus mourir pour le compte des Nigériens et des Maliens, et même des Burkinabés, afin de sauver l'essentiel, afin de sauver notre souveraineté, la souveraineté de nos États face à la menace terroriste. Maître Jean-Bernard Padaré, qui s'est dit très ravi de cette marque de considération, promet de transmettre fidèlement le message au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Créé dans les années 2015, le mouvement patriotique pour la République, le MPR Jamhouriya, est implanté dans les 8 régions que compte le Niger. Il se positionne parmi les grandes formations politiques du pays.